Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai reçu ma commande de produits Kiko. Kiko, j'en ai entendu parler par les jeunes blogueuses que je rencontre sur YouTube, mais je ne connaissais pas. Alors, évidemment, j'avais vu un magasin à New York où j'étais rentrée, où j'avais vu que c'était des produits qui n'étaient pas très très chers, mais bon, je m'y étais simplement promenée. Voilà. Et donc, je m'en suis acheté 5 pour pouvoir les essayer. Je les ai reçus ce matin. Donc, je me fais un plaisir de vous faire une vidéo pour vous dire ce que je pense de ces produits-là. Je les ai mis sur ma paupière. Ils se travaillent vraiment très très bien. C'est un vrai bonheur et se présentent comme ceci. En petit boîtier, Kiko, mais je vous le mettre à l'endroit, Kiko. Vous allez voir à l'intérieur, c'est pas un mini fard à paupières, c'est vraiment un fard à paupières avec une glace. Voyez? Donc là, je vous présente le 225 qui est un bleu. Un bleu superbe, vraiment superbe. Je vous fais un swatch, j'ai mis sur mes paupières. Vous avez vu les pigments, la concentration, la couleur, la douceur. Je vous mets là. Voilà ce que donne le bleu. Je vais en mettre un peu plus parce que... Voilà. Le bleu, qui est le 225. Je me suis acheté celui-ci qui est argenté. Je fais attention parce qu'il est arrivé cassé, le pauvre père. C'est le 229. C'est un gris argenté. Donc, pareil, je vous fais un swatch. Et je mets sur ma main. Vous voyez? Ils sont beaux, hein? Ils se travaillent, je vous disais, très très bien. C'est une poudre. Mais c'est une poudre qui est crémeuse. Il n'y a pas du tout de chute. C'est vraiment un vrai bonheur de le travailler sur les paupières. Là, je vous montre la 227, qui est une ombre pour faire des couleurs, une couleur de clarté sous les sourcils en longue interne. Voilà. Mais moi, je le travaillerai autrement parce que c'est pas effectivement dans le choix. Moi, j'ai pris celle-ci. Mais c'est pas celle qui est le plus lumineuse. Mais quand on veut quelque chose de discret, en pointe lumière, en point lumière, c'est quand même pas mal. Donc, moi, c'est la 227. J'avais vu qu'il y avait un rose qui était divin aussi, que je n'ai pas pris. J'en ai pris 5. Donc, il y avait plein de couleurs. Sur le site internet, vous voyez, les couleurs, elles sont superbes. Donc, celle-ci, c'est le 211. C'est un turquoise. Un très, très joli turquoise. Quel est le doigt pour faire un swatch? Ça va être celui-là. Voyez? C'est celui-là. Et là, je le mets et je vais le mettre là, mon turquoise. Il est beau, hein? Très, très beau. Et le dernier coloris que je me suis acheté, c'est un marron. Un marron chocolat. Non, c'est pas celui-là. Je referme toujours une petite boîte. C'est pas évident. Non, c'est pas celui-là non plus. Mon gris, il est temps que je le répare. Ça, sinon. Oh, c'est pas le bleu. Je vais y arriver. J'en ai acheté que 5, donc je vais y arriver. C'est le marron. Voilà, c'est ce marron-là qui est le 207. Alors, 207, je vais mettre sur mon pouce. Voilà le swatch. C'est un très joli marron chocolat. Il est très très beau. Je pense que je vais bien m'amuser avec parce que je vais le dégrader dans différents tons pour faire même du nude. Vous le voyez? Sont lumineuses, elles sont belles, elles sont soyeuses. Elles sont faciles à travailler, c'est génial, vraiment génial. Bah écoutez, en tout cas, vous pouvez, si vous avez envie d'une ombre à paupières vous faire plaisir, n'hésitez surtout pas, parce que vraiment, c'est du très très bon produit. Petit prix, très bon produit, ce qui est souvent le cas en maquillage, sauf quelques marques. Hein. On a Je mets Maybelline qui fait très bon produit pour le maquillage, il y en a bien d'autres. Hein. Moi, je les connais pas toutes non plus. Hein. Il y avait des petits prix comme Peggy Sage au niveau maquillage, c'était pas bien. Pour les ongles, c'était génial. Mais alors pour le maquillage, je n'aime pas du tout, moi. Et sinon, ben voilà, il y a maintenant Kiko qui vient dans les boutiques en France et qui, à mon avis, a tout au niveau maquillage d'un grand. Donc vous pouvez me faire confiance. Les ombres à paupières, elles sont vraiment top. Voilà. Je voulais vous parler de ma boîte à beauté, mais ma boîte à beauté, je vous en parlerai demain. Elle est super divine, hein. Vraiment, ils ne sont pas moqués de moi non plus. Hein. Voilà, bah je vous souhaite une très très bonne soirée.